Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à Plérons, ce nouvel épisode de Ark. Comme vous voyez, j'ai joué un petit peu avant, hein. J'ai pris la peine de jouer avant tout seul. Ça m'a, à vrai dire, ça m'a beaucoup coûté parce que j'aime pas faire ça sans vous. Mais bon, ça commence à être long. Donc j'ai fait du 3x3. On va voir si ça tient, hein. Je me mettrai là pour en espérant que je puisse rester vivant. Il nous reste à faire un toit. Un toit. Donc j'ai pas regardé encore pour le toit ce qu'il nous fallait. Ce qu'il nous fallait pour le roof. Donc il m'en faut donc 9. 9 x 4, 45. Donc niveau du wood, on va pouvoir faire ce qu'il faut. Il m'en va falloir 90 fibres, ça va être beaucoup. Et 100 et quelques thatch. Thatch, ça va aller. C'est vraiment les fibres qui vont être problématiques. Donc on va aller chercher les fibres. Une fois qu'on aura fait ça, chers amis, on pourra enfin se mettre vraiment au véritable défi, le combat, tout ça. Alors entre temps, j'ai gagné un level. Comme vous pouvez le voir. Que j'ai mis dans melee damage et j'ai des points d'engramme à appliquer. Donc je vais prendre les gants. Les chaussures et le chapeau. Et ensuite, on verra la suite. Donc vous verrez que ce n'est pas pour tout de suite. Hein. Il nous faudra d'abord de toute façon crafter l'espèce de lit là pour pouvoir être sûr de pouvoir repop au bon endroit. Hop. Quelques fibres. On peut pas prendre celle qui est dans les armes, non, c'est dommage. Donc vous verrez qu'il y a un certain nombre de bestioles qui sont pas trop loin. Certaines sont sauvages, certaines ne le sont pas. En l'occurrence, j'ai cru voir un ptérodactyle un moment. Et une espèce de... d'oiseau... enfin, de lézard à plumes. Ça m'a choqué, mais pas un... Enfin, c'est bizarre. On espère qu'on pourra le revoir. Si on était dans la zone... C'était juste là, en fait. Il volait par là. Bah, regardez, il est là-bas. Donc, je vais pas m'en approcher des masses. Parce que ça, c'est un coup à crever, encore. Donc, il a l'air assez violent. Oh là 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 là, il s'envole juste à côté de la maison. On va avoir besoin d'un toit, je pense. Hein. Et j'annonce, j'espère que je vais pas me faire péter par-dessus en fait. Parce que s'ils viennent par-dessus et qu'ils me frappent vers le sol, ce serait vraiment pute. Ce serait vraiment pute. Parce que le toit servira à rien. Déjà que les murs servent à rien en soi. Donc, voyons voir où on en est au niveau des fibres. Au niveau des fibres, au niveau du toit. 91, on avait dit qu'il nous en faudrait 9, donc on est bon. On va reprendre un petit peu, en plus on va... Et ensuite on va aller chercher donc le bois et le thatch. Si je reprends un petit peu, c'est parce que vous pouvez voir que mes outils sont quand même assez pétés. Du coup j'aimerais pouvoir avoir de quoi les réparer. Hop, parfait. Encore un petit peu. Parfait. Bon. Du thatch maintenant. Vous allez voir, le thatch ça va assez vite. Hein. Hop. Tant qu'on a des arbres sous la main, ça va assez vite en tout cas. Hop, ça me permet de faire un petit peu de bois au passage. Donc ça c'est pas mal non plus. Bon, celui-là, j'avais déjà dû l'entamer à la main à mon avis. Oh putain, il traîne juste autour de la maison quoi, c'est chiant. Ah puis il a l'air clairement vilain. Hein. Finalement, je le sens hyper méga agressif. Hein. Ah, je perds des trucs. Par contre, il a pas l'air très doué au niveau du vol. Hein. Pète pas ma maison! Oh mince, j'ai perdu une viande. Dommage. Je vais te garder à l'œil malgré tout. En fait, j'y vois que Pouic, hein. Autant vous le dire. D'accord, il est là-bas. Putain, c'est con qu'il soit autour de la maison, quoi. Forcément, j'ai vraiment pas de bol dans cette partie. Ah, ça y est, il décide de me le donner. Ok, merci. Bon, au niveau du thatch, on en est où?
Roof. Il m'en faut encore un peu. Hop. Je ne le vois plus et ça m'inquiète. On doutait que ça allait casser. Bim, bim, bim. Ah bah non. Bim, bim. Il veut toujours pas? Si, ça y est, il veut. Parfait. Bon, au niveau de tout ça. Oh là 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 là, il traîne autour de la maison, quoi. C'est vraiment ça, hein. Il traîne littéralement autour de la maison. Donc on en a 10, c'est bon. Donc on peut faire ce qu'on veut. Ah la vache, il me manque quoi? Je loot un peu de thatch. Hop. Ok. Ok, donc j'ai ce qu'il faut. Hop. Parfait. Bon, on va tenter de s'approcher. En espérant que la bestiole ne soit pas trop agressive. Ce serait cool. Ce serait vraiment, vraiment méga cool of the dead. C'est vraiment. Mais alors, juste à côté, quoi. Hop. Voilà. Bon. Pour ce qui est de la maison, c'est fait. La bestiole, elle est où? Elle est là-bas. On va retourner sur le truc là-bas. J'ai cru voir un dodo une fois. Oui, il est là-bas, on le voit. Maintenant, direction un petit peu de fourrure, chers amis. Il va nous falloir cette fourrure si on veut pouvoir tout simplement faire notre petit lit. Ça va être extrêmement pratique d'avoir cette fourrure. Il paraît-il qu'elle est assez compliquée à avoir. Ah là-bas, j'ai une autre bestiole là-bas, mais celle-là me fait chier devant la grosse là. Je la sens pas, la grosse bestiole. Putain, je la sens pas, chers amis. Dodo, où tu es? Y a de la mouette en tout cas, hein. Là, voilà le dodo. Pourquoi de la roumite? Blah. Bon. Le sac. Oh la gueule, on en est loin, hein. Il en faut 25. Il va nous falloir tuer une grosse bébête. Une grosse, grosse, grosse bébête. Ou plein de petites, mais plein de petites, j'en ai pas des masses. Est-ce qu'il va être agressif, lui, sûrement? J'ai pas envie de me faire bouffer. Il peut être qu'agressif, même s'il est superbe, il peut être qu'agressif. Des dodos. Génial. Tuons du dodo. Alors, wouhou! 5 hides. Génial. Un gros poulet là-bas. Un plus petit par là. Salut l'ami.
Allez! Bon, toujours ça de prix. Amical? Pas amical. Et genre pas amical du tout. Allez, ramène tes fesses! Ramène tes fesses! Allez, ramène tes fesses! J'attends, moi! Putain, mais où qu'il est? What? Mais je t'ai là! Aïe! Je l'ai touché! Ok, deux fois, trois fois. Viens par là! Bien joué! Je suis mortellement blessé par contre. Faut qu'on mange. Joué. L'autre il regarde à côté. Aïe. Ah non, c'est pas aïe, c'est ma truc est cassé. Aïe, là par contre c'est moi. Oui, je l'ai eu. Wouhou. Non, pas dans la flotte. Non, pas dans la flotte. Pas dans la flotte. Je vais me faire bouffer dans la flotte, chers amis, je le sens. Donne-moi. Il va pas me donner ta vie. Ah, j'y crois pas, il va pas me la donner, hein. Ah, il va pas me la donner, hein. Mais non, je suffoque pas. Je suis à la surface, je suffoque pas. Mais comment veux-tu que je suffoque? Mais non! Non, chers amis! Non! J'ai pas passé tout ce temps-là pour rien! Ah, la gueule! Pas loin? Pas loin! Putain, Dieu merci! Si, loin? Non, pas loin! Phew! Bon, bah, on est cul nu, chers amis, mais au moins, on est juste à côté de la maison. Fait chier. Alors je sais pas si je peux aller récupérer mon Maccabé. J'ose croire que si. J'ose croire que si. S'il n'a pas coulé dans les méandres de l'océan. Il est là. Bonjour, moi. Voilà. Bon, on n'a pas tout perdu, chers amis. On n'a pas tout perdu. Bon, ça c'est pas trop mal. Par contre, on n'aura pas la chance de pouvoir récupérer ce qu'il y avait dans l'oiseau, ce qui est complètement dégueulasse. Ce qui est complètement dégueulasse, je trouve. Allez, reprends-toi parce que tu sais pas nager. Il y avait un deuxième dodo dans le coin.
Enfin, un troisième de dos, voilà. Cette arme a combattu des ennemis bien plus difficiles que toi. Oh mince. Tu es quel niveau toi? 20. T'en as des points de vie. Allez, donne-moi. Voilà, merci. C'est pas ta viande que je veux. Voilà, c'est bien. Donne à papa. Parfait. Bon, chers amis, je crois qu'on est bon. Chose rare dans le monde de... Dans le monde de ma malchance. On n'a pas encore ce qu'il faut. J'y ai cru. J'y ai cru, mais ça devrait être bon. What? Oh, je suis désolé, mon ami. T'avais quoi sur toi? Wouhou! Tu sais que moi, je l'ai battu, le bonhomme, mon gars. Hein. No fear, hein. Alors, avant que ce ne soit complètement fichu, parce que moi, le plus grand guerrier de l'univers, je ne vais pas rester là en attendant que la mort vienne me chercher dans le prochain épisode. Je vais me ranger quand même là-dedans. Hop. Et on va crafter des choses, chers amis. Alors déjà, on va équiper les bracelets qu'on a récupérés. Voilà. Et ça, on va le crafter. Donc là, il va nous faire une sheet fiber, encore une sheet fiber. De la hide, j'ai ce qu'il faut. Et de la fibre encore. Parfait. Bon, bah, on a encore un level. Donc on va mettre les points dans ça. On a 10 points. Putain, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Je vais le learn pour la forme. Qu'est-ce qu'il faut pour le faire, ce putain de lit? Ah, ouf, il en faut plus. J'ai eu peur à l'espace d'un instant. Donc, dans ce cas-là, j'ai encore perdu des choses. Bon, c'est pas grave. Alors. Crac. On va mettre le lit ici, juste à côté du feu, en plein milieu de la pièce surtout. Ah! Fast travel, rename sleeping bag, pick up sleeping bag, d'accord. Cool! On peut aller de sleeping bag en sleeping bag, rename sleeping. Voilà. Mon premier chez moi. Hop. Parfait. Parfait, parfait. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là maintenant qu'on a enfin fait tout ça. On va pouvoir continuer l'aventure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueurs de la Playroom. On peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.